C'est un immeuble respectable ici, alors vous lui dites de venir chercher ses affaires, et on veut plus entendre parler de monsieur Laforgue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben vous lui demanderez. On leur adressez-vous à la police. Eux aussi, ils aimeraient bien savoir où il est. Mais dites-nous au moins ce qui se passe. J'ai dit ce que je savais à la police. Maintenant, j'ai du travail. Bonsoir, messieurs. Alors, quel pétrin, c'est encore fichu. Je paie son loyer, je règle ses ardoises, maintenant la police, et il est pire qu'un môme, j'en peux plus, moi. Cette fois, c'est peut-être plus sérieux que d'habitude. Allez, on continue la tournée des Grands-Ducs. Hôpitaux, commissariat de police, et les claques. Allez, non, excuse-moi, Calbotte, mais moi, je ne peux pas, j'ai plus un sou. Je n'avance pas sur le déjeuner, le père Durand l'attend depuis 2 mois, je sais plus quoi lui dire. Ah, dis-lui la vérité. Tu as perdu tes modèles, pas de modèle, pas de tableau, il peut comprendre ça? C'est pas sûr. Pourquoi tu lui donnes pas des portraits à Durand-Ruel? Les portraits, ça marche toujours. Oui, enfin, j'aurais du mal à lui faire croire qu'il s'agit d'une nouveauté. Eh bien, pas de tableau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez plus besoin de peindre pour être célèbre. C'est à la page Fait divers qu'on parle de vous maintenant.